Salut à tous, j'espère absolument bien, moi ça va, on se trouve pour un nouvel épisode du Let's Play Sonic 2006 accompagné de Mitsu. J'ai l'impression que ça cadre mieux que d'habitude en fait. Bon, allez, les vidéos sont meilleures quand je viens de me réveiller. Ah d'accord, on t'envoyait juste dans le temps, genre quand Silver t'es pas encore dans le passé. Normalement je crois que le son d'ATV est un petit peu plus bas. Et ma voix un petit peu plus bas aussi. Mais en fait voilà. J'ai fermé ma porte, mais voilà, ça suffit pas. Ma mère est en train de dormir en fait. Et voilà en fait, ouais, c'est ça la question. Je crois que ça sert de les renvoyer dans... Non, ils auraient dû te dire quelque chose parce qu'en fait... Ou renvoyer dans le moment où il était encore en vie. Techniquement, il est mort. Donc s'il est mort, bah... Voilà, supposez tout régler. Du coup, tout joueur peut faire sa réflexion. Sonic est... Et ce à certains, pas du tout, de Ebis Trigger. J'essaie juste de cadrer, je sais pourquoi j'ai l'impression que ça monte tout seul en fait. Ouais voilà, ça monte tout seul, je touche pas du tout. Ouais, comme ça je crois que ça pourrait être correct. Ah du coup j'ai fait Crisis City hors caméra, le niveau qui m'a fait réagir dans le dernier épisode. Putain. Bah du coup j'ai tous été mon Discord, j'ai laissé mon téléphone, voilà du coup vous avez mon code sur YouTube pour m'ajouter sur Discord, allez-y. Oh insultant. Ouais mais Sonic, dis pas sois pas en retard parce qu'en fait il court aussi vite que toi. Non, Flamecore trouve la Chaos Emerald. Voilà, je me suppose comme d'habitude. Ok, du coup ça commence. Flamecore, il me semble, il est moins dur. Hein. Voilà. Dans le niveau. Mais dans ce stade-là du jeu, dans l'histoire de Sonic, je crois le... C'est le niveau qui va être dur, je crois que c'est juste Kingdom Valley. Mais... Cela devrait être plutôt facile. Voilà, t'aurais pu aussi dire attention aux météorites. Voilà, attention de pas tomber, hein. On va super vite. Bon, il faut faire attention de ne pas tomber quand tu vas super vite. En même temps, c'est vrai, c'est Sonic. Sonic, c'est l'évolution le plus rapide du monde, là, tout ça. Ok. Ok. Voilà, en fait, comme vous savez, normalement, sur ma chaîne, je fais à peu près 4 Lexiplay en même temps. En fait, voilà, donc... j'avais fini mon Lexiplay de Smash Bros, parce qu'en fait, normalement, je suis tout le temps à Lexiplay de Mario, de Sonic et de Pokémon. Et l'autre, bah, c'est un autre jeu, une autre série. Que ces jeux là. Mais non, en fait, à part que Smash Bros, je crois pas que j'ai vraiment des jeux à faire des Lexiplay dessus. Ouais, du coup, je sais pas
Par quoi remplacer Smash Bros. Brawl? Par un autre XP, je sais pas. Ça va dépendre des jeux qu'il va avoir de sortie sur ordi. Ah, c'est des trucs comme Undertale, ça. Ah. Bah, je sais, il y a quand même des jeux sur Switch, mais le truc, ouais. J'aimerais bien les finir avant de faire moins l'XP. Non, mais t'es sérieux? J'ai été sur la plateforme. Ouais. Ok, du coup. Ok. Ça va, pas encore moi. Hein. Non, mais le pire, voulez-vous savoir le pire? Je crois dans la vidéo que je faisais de stage Crisis City, avant que je meure la dernière fois, je crois on pouvait voir, au fond, un petit peu plus loin, le ring qui finit le niveau. Du coup, je suis juste mort à la fin du niveau en vidéo. Et on a vu tout. On peut dire qu'on a vu tout le niveau. Quoi, il y a un autre à tuer? Ah, d'accord. Ok. D'accord, genre, il met des rings pas pour sa couleur, mais ça sert à rien du tout. Ok, du coup, on va passer par là. Une pluie de flammes. C'est pas cool, on peut crever là, Sonic. Oh, mais putain, Sonic. Putain, comment j'ai fait pour pas mourir, what the fuck. Soit c'était mon temps de vulnérabilité, mais non, pourtant c'est pas si long que ça, le temps de vulnérabilité avec Sonic. Je vois juste une seule possibilité, un bug ou peut-être dans le coin où j'étais, genre la lave ne fait aucun dégât. Peut-être, je touchais peut-être pas vraiment la lave. En tout cas, je comprends pas moi. Ok, du coup, quel côté faut aller? Peut-être aller de ce côté, mais non, c'est même pas ouvert. Non, ça me ramène ici. Ah, d'accord. Il y a un ennemi par là. Allons dans le volcan. T'es fou, Sonic. Ouais. Moi, j'ai reçu Sonic Generation sur 3DS. C'est genre une technique de bien filmer, peut-être un XP dessus. Ou peut-être un XP Yo-Kai Watch, ouais. Je suis pas très... Bon, avant, j'étais fan de Yo-Kai Watch, maintenant plus vraiment. Mais j'ai quand même... Bon, avant j'avais Yo-Kai Watch. Comme après tous les jeux français sortis au Canada pour l'instant, genre Yo-Kai Watch 1, le 2, les deux versions du 2, et même la troisième version du 2. Donc j'ai tout vendu, sauf la troisième version supplémentaire du deuxième, peut-être un excuse celui-là. Donc spec c'est chic. En même temps c'est le seul que j'ai en français. Que j'avais en français du coup. On foutait carrément bon des autres. Ouais, les trucs d'invincibilité hein, dans ce jeu. On l'a pas souvent. Putain, c'est compliqué ici. Ok. Canalise son pouvoir sur la lumière et atteindra le chemin. D'accord, c'est genre. Faut qu'on appuie ces trucs pour faire éliminer les trucs. Non, ça sert à rien. On les voit les plateformes pourtant. Putain, y'a pas un truc genre. Faut que tu les ouvres toutes, un truc comme ça. Ouais, je crois qu'on les ouvre toutes. Il dit il va t'ouvrir le chemin, il dit pas il va te montrer le chemin. Il va t'ouvrir. Ah non, je pense que c'est ça qui ouvre la porte. Ah non, c'est pas ça. Ah non, il y a bien quelque chose à faire. Euh...
Ah, je pense qu'on les ouvre toutes. Putain. En fait, je vois pas quoi. En fait, à quoi que ça sert. Non, elle est pas ouverte. Voilà. Eh, je t'avais ouvert, toi, tout à l'heure. Pire, si je trouve pas, bah, je peux quand même aller regarder sur YouTube quoi faire. Je sais pas, il y a un ennemi à battre. Faut peut-être aller pendant ce temps. Non. Ouais, un petit peu, je fais une recherche. Ok, en fait c'était tout con. En fait, vous vous souvenez du bouton? Et bien en fait, ça c'était pas la porte qu'il fallait prendre. Putain. En fait, l'erreur d'intention. Elle ouvrait une porte qui était là, tout près du bouton. Comment je peux pas voir ça? Ouais, contrairement au Sonic Adventure, auquel on enchaînait vite les niveaux là. Sonic 2006, ça, les niveaux vont durer longtemps. Hein. Knuckles. Ok. Knuckles. Ce temps maintient enfoncé la touche A pour planer. Ouais. Est-ce que les lumières brillent en même temps, tout ton chemin deviendra clair. Ok. Putain, y'a pas un délire, genre faut que j'ouvre tout ça. X une fois un point d'acier. D'accord, je peux pas vraiment les tuer. D'accord, je peux les one-shot. D'accord, je peux pas faire comme dans une caméra les tuer comme ça. Ok. Non mais comment je faisais? Y'avait pas de plateforme. Putain, en fait, Knuckles, c'est vraiment pas une bonne portée. Hein. C'est vraiment corps à corps. Au pixel près, faut frapper. Il peut grimper, ouais. Ouais, Omega, il... Non, ça va, il brille, ça. Ouais, je crois, ok. Du coup, on va essayer d'aller plus loin. Je crois que passer, faut qu'on les fait oublier. Comme ça. Faut battre l'ennemi. Je sais plus, faut... tuer tous les ennemis ou faire briller tous les trucs. Fort qu'on pose. Ok. Attends, est-ce que c'est cette porte qu'il faut ouvrir? Je sais pas, il faut tuer tous les ennemis. Ça, en fait, je me rappelle pas assez des niveaux. Que je les refaisais pas tous les niveaux, en fait. Même je n'ai pas refait le jeu, vu que j'ai terminé le jeu. Parce que, allez, j'ai fini le jeu, allez, on va expédier après Sonic Adventure 2. Et du coup, on va faire briller celui-là. Et pour être sûr, on va au moins tuer lui. Enfin, au moins, j'ai 8 vies. Je suis pas mort depuis le début du niveau. Ok. Là, on va aller voir si la porte s'est ouverte. En fait, Knuckles, il court pas vite. Dis-moi pas, je vais devoir retourner faire une recherche, là. Putain. Mais sérieux, je vois pas, en fait, qu'est-ce qui manque, en fait. C'est probablement... au début... Il y en a probablement une qui ne brille pas. Ah, celle-là? Non, elle brille. Ah non, elle ne brille pas.
Ok, du coup, je crois qu'il y en a qui brillent. Ah, ou c'est avec un temps limité. Non, je crois que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Putain, je vais encore faire une recherche. Ok, mais what the fuck. Non, j'ai fait une recherche internet. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Et pourquoi ça me le fait pas? Pourquoi avec moi ça ne marche pas? Attends, il doit y avoir certainement quelques-unes que j'ai pas ouvertes. Ouais, normalement ça devrait pas s'atteindre. Genre celle-là, je crois, elle brille pas. Ouais, faut que je le fasse briller. Ah, quand le jeu me troll. Ok. Allez, les petites bouboules, faut que vous brillez toutes. Celle-là, elle brille. Ah non, elle brille pas. Celle-là non plus. Voilà. Merci Minakos de m'avoir fait passer ce truc. Voilà, de retour à un gameplay facile à maîtriser. Franchement, dans tout le jeu, il y a juste Sonic et Shadow qui sont faciles à maîtriser. Les autres persos sont presque impossibles à maîtriser. Bah pas presque impossible, mais dur, genre, quand même assez dur. Ok. J'ai l'impression parfois ils répètent en des trucs. Dans les niveaux genre... J'entends le Winx. Oui. On a aussi 17 minutes juste pour un niveau, non mais sérieux. En fait c'est comme si que Sonic 2006 c'était genre une tentative de changer complètement le gameplay de Sonic, on dirait. Genre au lieu de faire un gameplay rapide, faire un gameplay... genre plateforme, exploration, au lieu de faire exploration, genre plateforme rapide. Ok. D'accord, genre Shadow savait qu'il y avait ce truc là. Ah c'est... Je sais plus comment ça s'appelle. À ça et 8. Bah Iblis. Ok. En fait c'est drôle parce qu'en fait avec Shadow en la France aussi. Bon c'est pas drôle mais bon. Allez, on prend les lignes. Et toi il ah ouais. Ça, il va lancer des pierres, on va devoir allumer les lumières là-bas. Ok, du coup, est-ce que t'attaques ou pas? Putain, pourquoi j'ai sursauté là? Ok. La technique en fait pour les esquiver, tu vas juste en dehors de la plateforme. Les météorites. Ok. Là on va pouvoir l'attaquer. Attends, on fait ça. Ah ouais, il me semble que ça va l'attirer, quelque chose comme ça. Merde non, non 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 c'est trop haut. Non. Oui. T'as cru que je n'aurais pas pu le frapper. Ok du coup hein. Ouais je me souviens parfaitement comment le combattre. Il me semble la technique est pareille avec Shadow, mais avec Shadow je crois que c'est un petit peu plus facile. Avec Shadow il peut genre enchaîner les attaques lui. Ah non. J'ai cru qu'en fait en... Il avait laissé les plateformes qu'on puisse y retourner. Mais non, on les a détruits.
Hey, mais mec, t'étais même pas supposé. Il était supposé aller plus loin. Putain, j'ai vu. Allez, lance les plateformes. Lance les plateformes. Lance les vitaux. Ouais, là, lance les plateformes, putain. Lance les plateformes, lance les plateformes. Ok. Let's go. Voilà, ça va. Elle est allumée. Allez, attaque là. Allez, let's go. Boum. Allez, on a enlevé la moitié. C'est parti pour lui enlever l'autre moitié. Et... D'accord, j'en stop. Ah, attends, je crois que je peux y aller. Ah non, je crois que c'est trop loin. Et putain. Attends, je vais récupérer au moins des rings. Voilà. Rajoute des plateformes, bordel de merde. Allez, envoie des plateformes. Non, ça c'est une météorite. Non, c'est pas les météorites, c'est les hérissants. C'est méchant. Allez, on va à ces putains de plateformes qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes. Parce que sinon, la vidéo va durer une heure. Ok. Ah bon, attends, c'est celle-là. Voilà. Eh wow, t'es pas supposé m'envoyer des météorites, là. Allez, tu vois la lumière? Fonce vers la lumière. Allez, un coup, et je crois qu'il est mort. On est d'accord, c'est un coup qui reste, pas deux. Ah putain, j'ai cru que j'aurais eu le temps. Météorite. Voilà, je crois que j'ai trouvé un petit peu la technique pour esquiver les météorites. Ok, là c'est quoi? Là c'est... Ouais, les plateformes. Ah, là il va attaquer. Là il va foncer vers la lumière. Allez, allez. Ça vient. Qu'est-ce qui vient? Oh, oh, oh. D'où il a pas foncé vers la lumière là? Non. Merde. Putain. On aurait pu l'avoir si je m'aurais pas foncé. Si j'aurais pas tombé à la lave à la fin. En tout cas, je vais faire le combat hors caméra. Voilà, je sais, c'est très peu pour un épisode. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, laissez un pouce bleu, commentaire, plaisir. Abonnez-vous, c'est pas fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et bye.